Il existe un gaz que vous fabriquez qui est la clé de votre santé intérieure, surtout cardiovasculaire, mais toute votre santé, et qui va vous faire paraître plus jeune, et qui va vous faire perdre du poids et avoir plus d'énergie. Je suis Jean-Marie Buternat, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors c'est quoi ce gaz? J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, c'est le NO, l'oxyde nitrique. Et bien ce gaz qui a été découvert par un prix Nobel récemment, il y a une trentaine d'années, 25-30 ans, dans les années 90, et bien ce NO est extrêmement important au niveau de votre, ce qu'on appelle la fonction endothéliale, c'est un mot savant pour dire la qualité de vos artères. Et vous savez que la qualité de vos artères, hein, si ça reste flexible, c'est votre futur. C'est comme ça que votre cœur pompe le sang dans les artères. Si les artères sont rigides, il va se passer plein de choses qui vont être désagréables pour vous. Vous risquez des AVC, vous risquez plein des thromboses, etc. Et bien, pour avoir une santé optimale au niveau cardiaque, bah, il faut faire du sport, bien sûr, mais il faut faire du NO. Alors, pour faire du NO, j'ai fait déjà des vidéos là-dessus, il faut respirer par le nez, parce que quand on respire par le nez, la bouche fermée, surtout la nuit, il y a des gens qui se mettent même du scotch sur la bouche pour conserver ça. On fabrique du NO en respirant déjà par le nez, on active cette fabrication de l'oxyde nitrique. Mais il y a des aliments. J'ai beaucoup parlé de la betterave rouge, mais aujourd'hui, je vais vous donner quatre autres aliments que la betterave rouge qui vont améliorer cette capacité de votre corps à fabriquer du NO. Alors, ces quatre aliments sont la pomme granate. La pomme granate est super bonne pour d'autres raisons, au niveau de votre stress oxydatif, mais la pomme granate va vous aider à fabriquer du NO. Alors, il faut les manger en saison. Elles sont un peu sucrées, mais ça fait partie de ces fruits, comme le kiwi, comme les mûres, que vous pouvez manger, pas non plus toujours en quantité trop importante. Le cranberry, c'est une petite baie qui est surtout consommée au Canada et aux États-Unis, hein, qui est très bonne, souvent donnée quand on a des cystites, qui n'est pas très sucrée. Il ne faut pas boire du jus de cranberry hein, dans lequel il est sucré. Il faut trouver les cranberries et les manger, les faire vous-même, ou on peut faire une espèce de gelée, ou les cuire tout doucement, si vous avez envie. Les myrtilles sont extrêmement bonnes aussi pour fabriquer du NO, et mes deux autres fruits favoris qui sont les framboises et les fraises, mais tout ça en bio, hein, pas les fraises qu'on trouve en Espagne qui sont complètement, qui n'ont aucun goût. On peut prendre des fraises qui ont du goût comme quand vous étiez enfant et que vous en trouviez dans le jardin de vos parents. Voilà, framboises, fraises, cranberries, myrtilles, et bien sûr la betterave rouge qui est la reine des légumes, ou le roi des légumes, la reine de votre alimentation. Betterave rouge, je répète toujours, hein, deux conseils, ne pas la faire cuire trop, il faut qu'elle soit légèrement croquante si vous la faites cuire, et si vous la mangez crue, il faut la faire, vous extrayez le jus dans votre appareil à jus, hein, je répète toujours, les appareils à jus, avec cette vis sans fin conique qui extrait le jus de façon lente, qui n'est pas la centrifugeuse. Voilà. Le NO, super important. Je voulais refaire une vidéo parce que beaucoup de gens m'ont posé des questions. Mais si j'aime pas la betterave rouge, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben voilà, je vous ai donné quatre fruits en plus qui vont vous aider. En plus, c'est des fruits qui contiennent beaucoup de polyphénol et des flavonoïdes. Et donc tout ça vous aide aussi au niveau de votre stress oxydatif, au niveau de votre longévité. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi vos commentaires, laissez-moi vos messages, appuyez sur le petit bouton. Namasté.